moi, ça va très 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 bien. Voilà, alors de retour, un petit haul maxi bazar. Voilà, comme vous avez su, j'ai déménagé et il me fallait certaines choses, beaucoup de choses même. On n'a pas encore tout acheté, on a acheté la plupart des choses, de la décoration. Et on est obligé d'aller à maxi bazar. Voilà, allez, je commence tout de suite avec le plus gros. Bah, le plus gros, on a pris une tringle comme ceci, toute blanche, simple. La grandeur, je crois que c'est 20 cm, la grandeur en, voilà, en fer. C'est pour la tringle pour la buanderie. Voilà, je vais la poser ici. Et pour les toilettes, on a pris un petit meuble comme ceci pour mettre le papier toilette et la réserve des papiers toilettes. Voilà, en façon bois, on a trouvé ça très joli avec mon compagnon. Alors, au niveau taille, 18 fois 18 cm, voilà. Et en profondeur, je crois, profondeur 18 cm, largeur 18 cm et en hauteur 75 cm. Voilà. Et bien sûr, les prix, je vous les marquerai en dessous de la vidéo. Voilà. Après, on a pris. Il nous fallait des rideaux pour la salle à manger et pour les chambres. Alors, pour la salle à manger, comme on a une baie vitrée, du coup, il nous fallait 3 rideaux. Du coup, voilà. Alors, je vais vous expliquer. Du coup, j'ai pris pour la salle à manger, pour la baie vitrée et la fenêtre que j'ai ici. Et j'ai pris pour l'occasion pour les chambres. Du coup, voilà. Vu qu'on change, on change tout. On part à zéro, du neuf. Voilà. Du coup, j'ai pris 2 mêmes rideaux comme ceci. Alors, les tailles, c'est 140 x 240. Voilà, c'est le même. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, c'est des voilages comme ceci blanc et des petites rayures gris. Alors, il y en a un qui va. Les deux. Non, il y en a un qui va venir ici. Et l'autre, c'est pour une des chambres. Voilà. Après, on a pris 2 comme ceci. Ça, c'est pour la salle à manger. Il est tout gris, sauf que là, il y a une petite bande en haut pailletée. Voilà, c'est des voilages. Pareil, les tailles, c'est 140 x 240. Voilà, c'est vraiment fait exprès pour les baies vitrées. Bon, ça, c'est pour ici. Et pour le milieu, pour la baie vitrée, on a pris un autre blanc, mais différent. Je vais vous montrer de plus près. Il est comme ça. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Alors, du coup, j'ai compté pareil. C'est du 140 x 240. Voilà. Et en fait, je comptais mettre 2 gris de chaque côté et le blanc au milieu pour la baie vitrée. Voilà, j'espère que vous me suivez. Voilà, ils sont super beaux. Franchement, il y avait des beaux rideaux. J'ai adoré la collection. C'est une nouvelle collection de Maxi Bazar, ceux-là, que je vous montre. Ce n'est pas des anciennes collections. Et ça, c'est pour une des chambres. J'ai trouvé trop beau avec les petits pompons, là, comme ça, là. Trop beau. En fait, les petits pompons, comme vous voyez sur la photo, ils sont en haut. Et après, en bas, c'est le voilage. Voilà, il était trop beau aussi. Et la taille, c'est 140 x 240. Voilà, il est magnifique. Ils sont magnifiques. Alors, ça, c'est pour notre chambre. Et le blanc, que je vous ai montré en tout premier, celui-ci avec les tirures gris, c'est pour mettre dans la deuxième chambre qui est le bureau. Voilà. Après, j'ai pris un tapis comme ceci. Pour mettre dans la cuisine au niveau de l'évier. Je vais vous montrer la photo. Est-ce que je vous le mets en droit? Non, il se met comme ça. Voilà. C'est écru avec des reflets rose gold. Il est magnifique avec des petites franges sur le côté. Et il fait 60 x 90 cm. Voilà, il est trop beau. Je vais vous l'ouvrir avec vous. Profitez, j'ai le ciseau avec moi. On va essayer de ne pas me. Pas se couper.
Bon, ça, je vous montre plus facilement. Plus facilement. Voilà. Comme ceci. Il est super beau, j'adore. Et si je vois qu'il ne va pas au niveau de mon évier, je le mettrai dans la salle de bain. Dans tous les cas, c'est dans le même style. Et pareil pour le séjour, j'ai pris un grand tapis pour mettre au niveau de mon canapé. Vous savez, côté séjour, canapé, un grand tapis comme ceci. Là, je vais vous déballer parce qu'il est trop grand. Vous voyez sur la photo, il est gris. C'est dans le thème de la cuisine. Là, je peux vous dire directement le prix. Il faisait 24,99€. Voilà. Et la longueur, 120 x 170 cm. Voilà. Après, j'ai pris... Ben, moi et mon compagnon, on a pris un truc pour un voilage pour mettre sur la terrasse. Voilà, pour faire une brise de vue au niveau du voisin. Et il a pris quelle couleur? Je crois qu'il a pris gris. Je vois pas. Attendez, on va l'ouvrir. On va voir la couleur. J'ai dit de prendre du gris. Hein. Est-ce qu'il m'a pas pris gris? Ouais, c'est bon, il a pris gris. C'est du gris. J'ai dit, tu me prends pas des couleurs flashy et tout ça, surtout que je suis pas la couleur flashy. Du coup, il m'a écouté, il a pris du gris. Voilà. Et la taille, les tailles. Je connais pas les tailles. 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres. Ah, il a pris triangle, il a pas pris carré. D'accord. Bon, écoutez. Dépaillement, résistant au UV. Ouais, je pense aussi pour la pluie, c'est bien aussi pour la pluie. Vous voyez, ça passe pas à travers. Ce que je comprends, c'est ce qu'il y a écrit. Je vais vous le rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, un petit UV. Là, je pense que c'est par rapport à la pluie. Voilà, on a pris ceci. Ça, je crois qu'il lui a coûté d'aller 20€, un truc comme ça, il me semble. Je suis pas sûre, totalement sûre. Après, on a pris un truc à balai. Il fallait... Qu'est-ce qu'il m'a pris? Je crois qu'il s'est trompé. Je crois qu'il voulait changer le balai pour la maison, mais ça, c'est plus pour l'extérieur. Ou alors, c'est pour le balcon. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il a pris ça. Bon, bref, il a pris ça. Ouais, je crois qu'il s'est trompé. Tout ça pour balayer la maison, c'est un peu... pas top. Après, il a pris un accroche pour faire la buanderie, du coup. Voilà, il a pris des petits accroches comme ça. On a pris, pareil, des petites tringles comme ceci pour mettre dans la chambre, du coup, parce qu'on n'en avait pas. Dans la salon, j'ai pris des tringles, vous savez, les grandes tringles. Et esprit super joli, mais pour les chambres ça sert à rien. Je vais mettre ça. On va mettre ça. Et la taille c'est 40 cm sur 60 cm. Après, il a pris du gel douche Dove. Voilà, extra frais. Je sais pas si ça sent bon. Ça sent l'homme. Ça sent... Oh, il était vert. Regardez, il est vert. Voilà. Et pour finir, on a pris un rideau de douche le temps qu'on change, qu'on mette la vitre de la douche. Du coup, on a pris ceci. Je regarde là parce qu'il est derrière, il attend que je finisse la vidéo pour pouvoir rentrer. Parce que j'ai dit, tu vas dehors, je veux pas t'entendre, je veux pas te voir. Je veux pas t'entendre. Du coup, je l'ai mis dehors, au piqué. Et là, il est dans la fenêtre, il essaie d'appeler les chats. Voilà. Du coup, voilà, on a pris un rideau de douche comme ceci. Pareil, niveau de 180 x 180 cm. Et les dessins, c'est ça. Voilà, c'est juste le temps de mettre la vitre en fait de la douche. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez aimé, me mettez le petit cœur. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.